Terre la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va tester des bides pendant 24 heures. Ah, vous êtes là, à ce qui paraît, avec un briquet et un déodorant, on peut faire un mini lance-flamme. On va tester le premier mythe. Wouah, dinguerie les gars, ne pas refaire chez vous. Premier mythe validé. Il est impossible pour un enfant de détruire un lama de Fortnite en un coup avec une batte de baseball. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Allez, tu te bandes les yeux par contre, parce qu'il faut pas qu'être riche. Prends la batte de baseball, je vais te guider. Avance un peu à droite, et là tu mets toute ta force. Mais les gars, les yeux bandés, c'est impossible. Mythe validé. Attends, est-ce que les adultes, ils peuvent y arriver? Oh, je vais essayer. Prends une distance à tout moment, il rate et il tire dans ma tête. Le mythe est refusé. J'ai réussi. Réussi, t'as tout explosé, regardez. Oh, il y avait des trucs à l'intérieur. Il y avait des trucs à l'intérieur, plein de bonbons, incroyable. Oh, les amis, il y avait plein de bonbons à l'intérieur. On a des Mars, des Malteser, des Bounty, des Twix. Il est impossible pour un enfant, les yeux bandés, de deviner le goût des bonbons au chocolat. Si, c'est possible. Vas-y, ferme tes yeux. Si elle y arrive, elle est vraiment super forte. Alors, les amis, nous allons prendre celui-là. Il est super facile. Ok, tu me garantis que tu vois pas? Non. J'ai combien de doigts? 4. Ok, elle voit pas les amis. Attention, on ouvre le bonbon. Je te donnais dans ta main, je la fais pas manger. Je suis pas ton esclave. Tiens, c'est l'air. Tu peux toucher? Ouais, tu peux toucher. On dirait plutôt un Twix. Ok. Genre un Twix. Il est dur, il est dur. Va-t-elle relever le mythe? Oh, c'est pas un Twix. Qu'est-ce que c'est alors? C'est pas un Bounty. Bien joué! Mythe refusé. Myriam a réussi à deviner le chocolat. Attends, c'est normal, un Bounty c'est déjà un coco. Nouveau mythe avec un pétard bazooka. Il est impossible de détruire une crampon. Donc, tu dis que les nouvelles crampons résistent au pétard bazooka? Oui. Et si ma crampon espère, on fait comment? Je sais pas. Vas-y les gars, on va tester. Je vais risquer ma crampon juste pour vous. C'est un pétard bazooka. Tout nous a pris. Gamiram, elle a vraiment, vraiment peur des pétards. Là, ça va péter. Les gars, je suis toujours choqué par l'explosion. Venez les voir. Oh non. Regardez ma crampon. Ma crampon a été totalement explosée. Regarde Myriam, il n'y a rien sur mes crampons. Les nouvelles crampons résistent aux pétards. Non. Non, Myriam, on fait comment maintenant? Ma crampon, elle est morte. A few moments later. On n'avait pas remarqué au début, mais une fois que tout est parti à l'intérieur, regardez ce qui s'est passé. Ça a troué l'intérieur de la crampon. Les gars, on dirait qu'il y a une balle qui est passée par dedans. C'est un truc de fou, les amis. Mythe validé. À ce qui paraît, si on mélange de l'oasis avec des bonbons, le goût est amélioré. Oh, bah c'est ce que je vais essayer. On va tester le mythe, c'est parti. Alors, donc là on a des bonbons. C'est les tapis volants arc-en-ciel et on les appelle aussi les fils parce que regardez. On a des tapis volants arc-en-ciel acidulés. C'est les mecs sur TikTok qui vendent des bonbons, ils parlent comme ça. Ouais. Acidulés. Mais un petit peu, pas beaucoup. Oh là c'est carré. Là à ce qui paraît les amis, le goût va être amélioré de fou malade. Okay. Myriam, tu vas tester. Bismillah. Okay. Non. Ta droite. Ah. Bismillah. Regardez, les bonbons, ils restent au fond. Donc là, les bonbons, ils restent au fond. Par contre, tout le sucre qu'il y avait à la surface, il n'est plus sur le bonbon. C'est-à-dire qu'il est parti dans l'oasis. Le bonbon, il est au fond. On va goûter le bonbon. Est-ce qu'il va être Alors, du coup, est-ce que le bonbon est amélioré ou pas? Le bonbon, il a un tout petit peu amélioré. Mythe validé. Il y a un nouveau mythe qui dit qu'un enfant ne peut pas marquer de but à un adulte. Ouais, bah oui. En vrai de vrai, on peut marquer sur un pétard ou... Allez, au goal, je vous fais une promesse. Je ne vais pas faire exprès. Je vais donner ma vie pour arrêter ces frappes. Un enfant ne peut pas marquer un adulte. Il y a trois distances et trois chances. Déjà la plus loin, la moyenne et la plus près. Ces trois chances, je pense, je vais en réussir les trois sur trois. Myriam, c'est parti. On va commencer par la plus longue distance. Donc là, normalement, c'est quasiment impossible. Attends, c'est ma balle. T'as une chance sur 100 de marquer là. Ok. Hop. C'est arrêté par Younes. On va passer à la deuxième distance. Deuxième distance, donc là on est juste à peu près au milieu de terrain. Myriam, c'est parti. Elle a 5 chances sur 100 de marquer. Boum. C'est arrêté par Younes. Aïe. Les gars, je vous ai dit qu'un enfant peut pas battre un adulte au foot, c'est impossible. Dernière distance, donc elle est à la ligne blanche, là c'est le plus proche qu'on puisse faire. Là t'as, allez, on va dire 20 chances sur 100 de marquer. Le pétard. Boum. Oh, c'est arrêté. Mythe validé, un enfant pourra jamais battre un adulte. Les gars, c'est logique. Nouveau mythe, il est impossible de mettre un dunk si on fait pas 2 mètres. Je fais 1m84, fais 1m combien? 1m40. 1m40? What, elle a grave grandi. On va essayer, les gars. Et c'est parti pour Younes, le premier essai. Est-ce qu'il va réussir? Oh, ça passe. Let's go! C'est pas la taille d'un panier de basket pro, mais il est assez haut quand même. Maintenant, Myriam va essayer, les amis, 1m40. Est-ce qu'elle va réussir à faire? En vrai, si tu sautes haut et t'as une bonne détente, il y a moyen que tu le fais. Allez, c'est parti, Myriam. Est-ce qu'elle va réussir? Aïe. Quand même le côté parce que genre j'ai touché le panier. Non, bah les non. Gars, pour mettre un dunk, il faut que le ballon soit rentré dans le panier. Mythe. Validé. Il est impossible de se blesser avec un casque, donc on va tester avec des god box et ensuite avec un ballon de basket. C'est parti. J'espère que t'auras pas mal. Hein. Alors déjà, je vais mettre un god box. Bon les gars, je suis assez confiant, il y a une mousse qui est super protectrice. Donc normalement, je devrais pas trop me faire mal. Commence premier test avec le god box. Peut-être que je vais me faire mal au. Tu me dis un des trois. 1, 2, 3. Alors t'as mal? Franchement, pour le choc, je le mets 2 sur 10. Pour l'instant, ça passe. Maintenant, on va taper à toute ma puissance. Aïe, ça va être chaud. Ok, attends, tu viens de 3, go. 1, 2, 3, go. Ah! Là, je vous dis la vérité, ça tourne un peu quand même. Ah, on va continuer avec un ballon de basket, on va voir s'il aura mal. Au début, on va faire doucement, après on va faire fort. Au début, on fait doucement. Oh là, j'ai rien senti, c'est incroyable. Le casque, il va protéger complètement. Ok, là, je vais me décaler parce que le ballon, il va aller jusqu'à là-bas, je pense. Vise bien.
Non, franchement, le ballon de basket, c'est validé sans rien du tout, la famille. Il n'est pas blessé, donc mythe validé. On va tester un mythe plutôt incroyable. Un enfant ne peut pas finir un giga burger en un croc. Ouais, bah oui, bien sûr. Je pense que tu peux réussir. Ouais. Je mets 100 euros sur la table si elle réussit. Je te passe 100 euros. C'est impossible, les gars. Et on va tester le deuxième mythe. Il est impossible d'ouvrir un Capri Sun sans la paille. On peut l'ouvrir par là? Bah vas-y, essaye. C'est impossible d'ouvrir un Capri Sun sans la paille. Ok, non, ici on peut pas l'ouvrir. Oh, il y a une technique qu'on avait quand on cassait la paille. Ouais, dis-moi. Tu prends comme ça avec ta bouche. Oh non, j'avais oublié ce combo parce que les gars, elle a droit à aucun instrument. Pas de couteau, pas de ciseaux, rien. Aussi, ici, vous ouvrez avec vos ongles comme ça. Et genre, après, si c'est cassé, vous pouvez boire sans paille. Votre doigt, il sert de paille. Ouais, là. C'est une dinguerie, elle a tout percé le Capri Sun. Bon, bah, mythe refusé, les mecs. Il est impossible de tenir les yeux bandés sur la boule pendant 10 secondes. On va tester ce mythe. C'est parti. J'ai mis le bandeau, donc là je ne vois absolument rien. Je sais pas. 10. 9. 8. Oh non, c'est impossible. C'est impossible, la famille. Mythe validé. Est-ce que je peux essayer pour voir? Tu vas voir, c'est trop dur. Vas-y, okay. Essaye. Allez, c'est parti. Okay. 10. 9. 8. Oh là là là, les gars, le mythe il est validé. C'est vraiment impossible de tenir les yeux bandés sur une boule. Il y a un mythe qui dit que si on fait la technique de Ronaldo sur coup franc, on est obligé de réussir tout ce qu'on fait. Vous voyez la petite lucarne jaune là-bas? On va essayer la technique de Ronaldo et si ça marche, c'est une dinguerie. C'est parti. On prend le ballon, on le pose. Trois pas, les gars. 1, 2, 3. La respiration, les deux jambes, ça me rappelle des souvenirs, le prime de Ronaldo. Oh là là, les gars, c'est une dinguerie quand on fait la technique de Ronaldo. Mais non, t'as oublié un dernier truc. Qui dit qu'il y a un glitch sur l'iPhone, si tu dis à Siri Luminos, il t'allume la lampe. Parce que Siri, il est en collaboration avec Harry Potter. What? Vas-y, essaye. Dis Siri. Dis Siri. Lumos. Elle est maintenant allumée. Oh, les gars, ça a allumé la lampe. Mythe validé. L'iPhone est en collaboration avec Harry Potter. Wingardium Leviosa. Incroyable. C'est trop stylé, les iPhones. Il y a un mythe qui dit qu'on peut faire voler une balle de tennis avec un déodorant. Je pense pas que ce soit possible parce que la balle de tennis, elle est bas de lourde. Et le déodorant, je pense pas qu'il est assez puissant, Myriam. Bah, en vrai, on va essayer. Bon, allez, on va essayer. Mythe refusé, les gars, c'est impossible. Mais par contre, avec un dé, ça peut marcher. Non, 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 le mythe est refusé, ça marche absolument pas. Il est impossible de faire 3 fois 6 avec un dé de suite. On va tester ça. C'est impossible de faire ça. Mais essaye. Oh, 6. Ok, c'est le premier, c'est le premier. Myriam ramène le dé. Il en reste plus que 2. Ok, deuxième essai. Oh, 5. Non. À mon tour de tester, c'est sûr que je peux le faire. Oh, 6. Ok, premier essai validé. Maintenant, il faut que t'en achètes encore 2 autres. Oh, 6. Deux fois d'affilée. Wesh, mais c'est n'importe quoi, ça. Là, si tu fais le troisième, le mythe sera refusé. C'est parti. Ok, attention, le stress. Aïe, 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 4. Mythe validé. Il est impossible de faire un tour du monde avec des claquettes chaussettes. C'est ce qu'on va tester tout de suite. Ok, on va mettre le bandeau, la famille, un maximum dans la peau d'un tryharder. Ok. Je pense que ça va pas te gêner les claquettes là. Je sais pas parce qu'en fait je me sens pas bien là, je me sens lourd. Déjà on va essayer de jongler. Première étape, jonglerie. Oh, c'est trop dur. Je sais pas comment je vais faire. Applique-toi, en vrai tu peux réussir. Ok. Si t'as un vrai problème en claquettes, tu peux réussir. Ok, c'est parti, attention. Les claquettes ils s'enlèvent les gars quand ils jonglent, c'est trop marrant. Oh, mythe refusé, j'ai réussi le défi. Il y a un mythe qui dit, il est impossible de mettre un panier de loin du premier coup. Ok, moi, vas-y, on va tester, moi je pense que c'est réel, on peut pas mettre du premier coup. T'as avancé d'un pas? Non, non, t'avances pas d'un pas. Moi je suis Michael Jordan, vous allez voir, je vais réussir. Allez, c'est parti. Quelques jours déjà pour m'échauffer, ok. Avec sa force de crevette, ça va pas le faire. Aïe, 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 mais je l'ai mis, mais je l'ai mis. Non, c'est raté, c'est raté. Les gars, je l'ai mis, j'ai un commentaire que je l'ai mis, c'est une dinguerie ça. Le but est refusé, elle a tapé ici et c'est sorti. Malheureusement, c'est refusé. Je vais essayer assis. Si j'arrive à le mettre du premier coup assis, vous me donnez tous 1000 euros. Eh, c'est impossible. Désolé. Il y a un mythe qui dit que si on mange du poivron orange, ça améliore la vue. Myriam va se mettre super loin et je vais essayer de voir sur le téléphone si j'arrive à reconnaître le footballeur. Ce mythe, c'est n'importe quoi. Montre-nous le footballeur, Myriam. Ok, le footballeur, on a vu. Est-ce que ça marche vraiment? Myriam est en place juste là-bas. Je vois rien du tout, les mecs. C'est... Attends, attends, il a les cheveux longs déjà, ça se voit là. Non, on n'a pas le droit de dire, donner d'indice, tu dois regarder et dire. Mbappé. Yes. Oh, c'est Mbappé, je le vois. Kylian Mbappé. Mythe validé, les mecs. En plus, j'ai même pas fini. À ce qui paraît, si on mélange des chips avec des Mikado, on a envie de vomir. C'est ce qu'on va tester tout de suite. Là, déjà, on va prendre un Mikado et on va prendre une chip. Eh, franchement, le mélange, il me fait peur. Ça fait très, très peur. Sucré salé comme ça, là, ça a l'air bizarre de fou. Ok, donc prends une chips, voilà, mélange. Oh, il y a un trou, tu peux rentrer une cadeau dans le trou, voilà, ouais. Comme ça. Voilà, là on a le mélange parfait. C'est parti, tu peux tester. Merde. Ça a l'air trop bizarre. Tu dois tout finir, hein. Ok. Oh, ça a l'air trop bizarre. Vomis pas, vomis pas, vomis pas, vomis pas, vomis pas. Tu te sens pas bien? Bois de l'oasis, bois de l'oasis, bois de l'oasis, c'est KO. On peut pas, la
grave. Ah, elle peut pas avaler. Les gars, c'est un mélange de sucré salé, ça a le goût du sel. C'est bizarre. Du coup, ça te donne envie de vomir? Oui. Mythe validé. C'est impossible de faire deux choses à la fois, c'est ce qu'on va tester avec Yassine. Regarde, déjà, tu as joué avec tes mains, avec les balles de tennis. Okay. Quel est le numéro de Mbappé au Real? 9, pardon. Okay. Oh, c'est chaud. Les gars, c'est super dur. Cite-moi un joueur de Paris. Barcola. 10 plus 10. 20. Mythe refusé parce qu'il est possible de faire deux choses à la fois. Maintenant, on peut tester quelque chose. Est-ce qu'il est possible de faire deux choses difficiles à la fois? On peut pas dire que le mythe est accepté ou refusé. Il faut qu'il fasse deux choses difficiles. Il va devoir jongler et mettre le ballon à l'intérieur du but. Déjà, en temps réel, c'est super chaud, mais avec deux à la fois, ça va être impossible. Je pense que ce défi-là, il est super compliqué. On va essayer de le faire. Ok, je suis en position, je commence à jongler. Ok, jongle. Ok, on s'avance. Oh, ça va être dur, les gars, ça va être dur. Okay. En fait, tu dois regarder les balles de tennis. Oh, t'as tué la fleur. Donc, non seulement j'ai raté, mais en plus, j'ai fait tomber les balles. Le défi est complètement impossible. Mythe refusé. Il y a un mythe qui dit que tous les iPhones nous écoutent. En gros, on est sur écoute toute la journée. Donc là, avec Myriam, on va avoir une discussion. Et après, je vais swiper sur TikTok. Si je tombe sur la publication du sujet auquel on parle, ça veut dire on est sur écoute, les gars. Il faut faire vraiment attention. Myriam, moi, j'aime trop le foot. Mbappé, il est trop fort. Le Real Madrid, en ce moment, il gagne. Ça fait plaisir. Est-ce que t'aimes bien le foot? Ouais, j'aime bien le foot. Et surtout l'équipe de France, c'est dinguerie avec Barcola, okay, et tout. On a parlé de foot, les gars. Vous êtes témoins. On va aller sur TikTok. S'il est propre. Wesh, il y a du football. Regardez. Il y a du football. Encore du football! Les gars, mythe validé! On est sur écoute! Et en gros, c'est un micro toute la journée, on l'a dans notre poche. Il écoute tout ce qu'on dit, les mecs! Faites attention à ce que vous dites. Il y a un mythe qui dit qu'on peut pas faire de plat sans les mains. Moi, je vais essayer, après Yasmine va essayer. Mais je pense en vrai, c'est possible parce que genre, les mains te protègent. Mais en vrai, tu peux le faire sans les mains. Regarde, il est en train de faire le lit juste pour toi alors qu'il fait jamais son lit, les gars, je balance. Quoi? Je peux parler. Moi, mon lit, il est fait, mon lit, il est fait. Je sais que t'allais filmer, c'est pour ça, sinon tu le fais jamais non plus. Si, je le fais des fois, je le fais plus que toi déjà. Ça peut passer ou pas, tu penses, le mythe? Franchement, un mythe sans les mains, bah, c'est la base, hein. Place en les mains, tu peux le faire, je pense. Ok, c'est parti, 3, 2, 1, go. Elle a mis ses mains. Elle a utilisé les mains. T'as mis tes mains. Elle a utilisé les mains. Ah, bah, faut que je fasse comme ça. En vrai, les gars, on est obligé de mettre ses mains pour se protéger. Elle a mis ses mains. Moi, je peux essayer. J'aimerais bien voir si un adulte, ça fait la même chose. Pourquoi tu mettais les mains à chaque fois? Tu sais que c'est un lit, ça fait pas mal. Ah, parce que, genre, moi, je me suis cassé le nez. Genre, maintenant, j'ai peur de pas mettre mes mains. Vas-y, Yacine, pour voir. C'est parti, 3, 2, 1. C'est impossible. Les amis, c'est impossible, on est obligé de mettre les mains parce qu'en fait, si on met pas les mains, on a trop peur et c'est genre, même quand on se dans sa tête, je vais pas mettre les mains, à la fin, c'est un réflexe, t'es obligé de mettre les mains. Croyez vraiment que le mythe, il va pas être validé, les mecs. Vous me connaissez pas. Dès à présent, mettez un gros like et abonnez-vous. 3, 2, 1. Oh, mythe validé. C'est juste qu'ils sont trop nuls. Il y a un mythe qui dit que la PlayStation 5 s'allume plus vite qu'un PC. Moi, je pense en vrai, c'est pas possible. On va voir si c'est plus rentabilisé d'acheter un PC ou une PlayStation 5. On va tester ça en même temps. On a un PC de fou et une Play 5 de fou. Vas-y, Myriam, allume en même temps. Myriam, tu t'occupes de la Play 5. Moi, je pense, les gars, que le PC, il va s'allumer avant la Play 5. Ton doigt est sur le bouton du PC. Myriam, ton doigt sur le bouton de la Play. Mais ça va faire le décompte. Alors, attendez. 3, 2, 1, go. Les gars, les deux ont été allumés en premier. Okay, j'ai entendu le bruit de la Play, le bruit du PC qui va s'allumer en premier. Est-ce que c'est plus rentable d'acheter un PC ou c'est plus rentable d'acheter une Play? Le prix du PC. Oh, l'écran il s'allume en premier déjà. Ok, l'écran il s'allume en premier. Ouais, c'est bas de long la Play, frère. Pourquoi l'écran il s'allume pas? Oh, vite, vite, allume, Myriam, vite, dépêche-toi, faut aller plus vite possible. Allume la Play. Ok, attention, toujours le PC dans le chargement. Mets un jeu, Qui a gagné, En vrai, les gars, dites-nous dans les commentaires qui a gagné. C'est moi, j'ai mis un jeu. Non, parce que je sais pas quel écran s'allume en premier, qui a gagné du coup. Dites-nous dans les commentaires qui a gagné la famille. Je pense que c'était ultra serré. Et aussi, dites-nous vos prochains mythes pour l'épisode 2. Nous, on va vous laisser là. Les gars, j'ai un petit secret à vous dire avant de vous quitter. Il y a un mythe qui dit que si tu t'abonnes et tu likes, tu deviendras un beau gosse.